Да, я не достался! Мы же нормально! Faut que je dise clic avec un PC One, puis il y a un truc, ça s'appelle Headbobbing. Je sais, j'étais en train de m'amuser avec des PNJ tantôt. J'ai plus de musique, moi. Alors, bonjour. Bonjour. Fred, chute. Tout le monde chute. Sleep till I come home. Dream of something sweet. I won't be there soon to wake your soul discreet. C'est Horse Panda et on se retrouve pour un épisode de Terra Cube en compagnie de Super Monde. C'est mon épisode spécial anniversaire, donc pour mon anniversaire j'ai décidé d'organiser un petit événement sur Terra Cube. Et là Miss, apparemment il y a une grosse surprise pour moi, voilà. Donc Miss, allons-y. Ouais, allons-y, mettez mon amour par tes yeux. Bah, oui mais en vraie vie ou sur Minecraft? Parce que c'est difficile. Oui, c'est ça. J'arrive. Au fait, oui. Tu te souviens de ça, regarde bien. Merde. Non, je veux pas avoir un bébé, je veux ni divorcer. Oh, oh, c'est Dani, puis Fred, puis Flo Dux, avec une guitare. Oh. Et il y a Jody. Oh, et regarde là-bas sur la piste de danse, il y a Darky. Oui, tout le monde est là. Il n'y a plus de musique. Il y a Architect. Ok, lui, il dit juste hello. Il y a Flodux. Il y a Poussin. Oh. C'est l'anniversaire de Har, c'est trop cool. Derrière sa guitare, c'est quelque chose d'autre qui tire les cordes. Hein? Oh. Oui, oui, j'ai vu. Rose, elle me dit... C'est l'anniversaire de Horse, c'est trop cool, je vais pouvoir manger plein de glace. Bon anniversaire, Horse. Oh, Monsieur Poussin s'amuse bien. Bonjour, DJ. Est-ce qu'on peut l'emmener dans la glisse? Oh, pardon. Bon. Dis, c'est ma fille, dis, ça va, tu parles. Bon, ma fille, c'est... Donc, En fait, voilà, il y a des repas ici, bah des... ouais, des repas. Ça se saoule, d'ailleurs. Il y a des repas comme du poulet. Merde. Ça n'a pas très bien marché mon truc. Moi je vais prendre de la root beer. J'aime bien la root beer. J'ai 10 000 spaghettis, je vais prendre. Il n'y a pas d'alcool. Ah si, il y a de la bière. Moi je vais prendre du cola, de la root beer. Il y a de la root beer. Il y a du Delighted Meal. Il y a des cas. Tu peux te taper quelque chose que je manque de plus. Non, tu vas pas manquer de bouffe si on te tape. Oh, de la route beer, de la route beer. Oh, Flodux, on se raconte nos malheurs. Tu peux au moins boire de la route beer. Ah, mais. Miam. On est tous en train de se bourrer la gueule. Oh. C'est ça, on est en train de se taper une cuite. Ouais. Et toi, vous me verrez danser à poil sur le comptoir, genre. Ouais. Ah, mais j'ai un skin de moi toute nue en plus. Oh. Ouh là là. Juste quand je lance mon record. On va peut-être se mettre à table, non ? Comment ? Oui, on va se mettre à table, allons-y, on va se mettre à table. Allons-nous mettre à table ? Yeah. Attendez, je prends quelques. Des pastas, j'aime les pâtes. Alors. Ouais, mais après, nous. Ah oui, j'arrive. Kitsu qui marche sur la table. Kitsu, c'est pas poli de marcher sur la table. Voilà, ça m'a téléporté là.
Donc. Faire des chaises musicales en plus, regarde. Mais elle a encore essayé de divorcer avec moi, Miss Pandy. Je t'ai vu. Elle est bien sûr, après, quand vous aurez fini de manger, il y a Alta qui m'a laissé des gâteaux et vous aurez tout le droit d'en avoir un. Ouais. Oh, Yakibou. Et Yakibou, et Yakibou qui va arriver. Ah, super. J'arrive. Kibou. Ouais, il y en a deux qui viennent te rentrer dedans, là. Il y a Kitsu et Flodux qui viennent de rentrer sur la manche. Waouh. Une compilation de... Donc c'est ça, je remercie Alta pour les gâteaux, parce que voilà. Non, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Non, mais c'est qui est dans moi, là? D'accord, très bien. Bon, est-ce que vous avez des vœux en particulier à me souhaiter pendant qu'on mange? Est-ce que vous m'aimez? Laissez les gâteaux pour moi. Mais oui, on t'aime. Oh, je suis dans Kitsu, c'est très... Oh, c'est bon, une expérience déjà, très... Oh mon Dieu. Mais déjà, un très joyeux anniversaire à toi, ma petite ours. Je suis ravie d'avoir pu t'accueillir sur TerraCube. Voilà, tu es une joueuse adorable, voilà. Merci. Et une amie adorable, voilà. Oui. Voilà, c'était mon petit discours. Merci, Jody Flodux. Qu'est-ce que tu as à dire pour mon anniversaire? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ok, d'accord. Il a rien fait, c'est pas moi, j'étais au cinéma. J'étais au cinéma. Sauf une fois au chalet. Dani? Mais moi, je te souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que tu vas nous décrocher ton permis et que tu vas nous revenir en pleine forme. Kitsu qui vient de sortir de la porte. Il est bourré, donc... Chut. Kitsu, t'as quoi à dire pour mon anniversaire? Attends, je secoue la bouteille. Mais mec, tu casses la table! C'est très long. C'est bon, on a... En fait, donc, je t'ai pas dit les honneurs, parce qu'en fait... Attendre. Mais bravo, ouais. Bravo! Mais bon. Qu'est-ce que t'as fait? Mais arrêtez de marcher sur la table, c'est pas poli. Bon anniversaire, ma petite ours. Merci, Fred. Viens, nous, avec ton permis. On prendra soin de Miss en ton absence. La sextape. Non, pas de sextape. La sextape de Jody à la MIA. Non, sextape des araignées, Fred. Je pense qu'on en avait fait une. Ah oui. Ouais. Ah oui, si tu savais, à la MIA, on n'a pas filmé, on n'a pas osé filmer, mais on aurait peut-être dû. Oh. Miss, t'as quelque chose à dire? 5 secondes avec Fred, c'est normal. Une belle année. Ton premier anniversaire avec toi. C'est mieux que toi. Oui. Ah, elle est mignonne, Miss Pandy. Je t'aime aussi, Miss. Coucou. Kibou. Hey, y a Kibou qui est arrivé. Coucou. Oh oui, Darky, bon, Darky s'est barré. Je crois qu'il s'est barré parce qu'en fait, il y a un squelette qui est dehors. Oui, en fait. Darky s'est barré. Akibou, est-ce que t'as... Il est parti fuir. Est-ce que t'as quelque chose à dire pour mon anniversaire, des petits vœux? Bah, sincèrement, j'étais ravie de te rencontrer. J'ai quand même passé pas mal de temps avec toi et je trouve que t'es vraiment formidable parce qu'on a vraiment, enfin, on parle vraiment de trucs intéressants et on se tape des barres très souvent. Alors, ça, c'est fun. Oh, que c'est mignon! Voilà. Oh, des spaghettis! Oui, merci. Mais qu'est-ce qu'il fait là, l'autre qui. Kitsu, tu fais quoi? The Great Papyrus. Maintenant, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Okay. Ma chère, oh. Arrêtez de suivre ça à mon micro. Je grimpe sur la table en voyant. Tiens, Kibou. Kibou. Vas-y, Dieu. Tiens, Kibou. Je suis un peu mineur, non? Vas-y, Kitsu. Donc, je disais, ma chère Or, depuis qu'on s'est rencontrés, on a bien Kitsu président. Pardon. Ma chère Or, depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est toujours bien amusés ensemble. Et moi, je te dis un grand merci pour surtout tout ce que tu as fait pour Sushi World, tout ce qui a été depuis qu'on se connaît. Et après, oui, je me mets à poil, oui. Et après quoi? Et après, je te souhaite bon courage pour la suite et des meilleurs vœux pour la suite. Merci. Je veux parler dans le micro. Oui, vas-y. Non.
Mesdames et messieurs, bienvenue pour le vol numéro A4-427 pour la direction de tout de suite. Nous allons directement vers la salle des fêtes pour l'animateur de Hors Panda. Veuillez, n'oubliez pas de prendre vos masques à oxygène, vos bières et n'oubliez pas les préservatifs pour la fin de soirée dans la salle privée. Bisous à tous, à le prochain. Ok, très bien. Moi je fais un gros bisou à ma horse. C'est où que t'es fait ces bisous là, Fred? Y'a Flo de Un gros bisou à mamie aussi, baby you avant de me faire taper. Bon, je vais me cacher. Félicitations, Flo Dux, tu chantes très bien. Tu chantes très bien, Flo Dux. Voilà, c'est pas tout pour moi. Je pense que t'as un petit peu abusé l'alcool, Flo Dux. Oh mon Dieu! Maintenant on l'a fait en anglais. C'était super! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Horse Panda! Happy birthday to you! Mais tu me fais quoi là? C'est qui Grumpy? Désolé, je la connais pas en néerlandais. Attendez. En espagnol, non? Je sais, joyeux anniversaire en néerlandais, ça s'est dit. Joyardage, un truc du style. Alta! Y'a Alta qui est venu pour mon anniversaire! Yeah, Alta! Oh, le tigre, il est dissident. Enfin, le lionceau, il est dissident. Oh, Grumpy. C'est le lion. Ah, c'est ton lion! Ouais, il est sur la table! Il est trop mignon, il te chie sur la table! Mais qu'est-ce qu'il. Il y a un truc qui a pété. Il y a quelque chose qui a pété. Fred, t'as pété. Ça Fred, t'as pété, t'as pas, pas très bon! Pourtant, j'avais pas mangé tant de flageolets que ça! Ah, mais c'est peut-être le garde qui a explosé en fait! Non, il saute pas n'importe où. Non, le garde, il est là! Il est encore là, le garde! Mais oui, mais. C'est par rapport à sa tête que. Je vous propose une distribution de gâteaux. Oui. Ouais. Oui, des gâteaux. Des gâteaux. Et si on n'ouvrirait pas les cadeaux d'abord. Et après on ira ouvrir les cadeaux à l'étage. Parce qu'apparemment j'ai compris qu'il y avait des cadeaux à l'étage. Tu vas devoir partir, donc c'est pour ça moi. C'était pour. Donc un gâteau. Ouais. Prochain. Oula, j'ai un coup de lag. Ah, j'ai eu un gâteau! Yeah! J'ai pas eu de gâteau! Prochain! Je veux du gâteau! Merci à Alta Cake pour les gâteaux, je rappelle. Oui, du gâteau! Ah bah, c'est moi qui l'ai eu! C'est moi qui l'ai eu! Ce gâteau! Mais tiens, Kibou! Oui, merci! T'as un gâteau à moi! Tu remarqueras que Jodie, elle est bien protégée, elle reste en armure. Attends. Ah, c'est vrai. À poil, Jodie! Oh, bah, écoutez, si avec ça, attendez. Mais je peux pas! Elle va mettre son skin. Bah oui. Son skin oui. Où elle a un zizi. Oh. Mais tu m'as dit, je vais aller. Ouais. Peggy, voilà. Allez, on va donner du gâteau à Darky, à Poussin, à Archie. Tecton! Bah oui! Tecton! J'avais même pas remarqué qu'elle avait écrit Archie Tecton! Quelqu'un a pas eu de gâteau? Alta! Alta, du gâteau! Moi je fais le plein de bouffe, hein, par contre. J'en ai déjà. Voilà des gâteaux. Je redonne ton gâteau. Oh, il y a plein de cadeaux, j'ai même pas. Il y a plein de cadeaux à l'étage. C'est bien ouais. Que moi les cadeaux, ils sont space. Hein, Dani, t'as eu du gâteau? Oui, c'est bon, j'ai eu du gâteau. Flodux, t'as eu du gâteau? Non, j'espère tiens, que mon cadeau te plaira. Je te balance une bière. Oh. Bon, au pire, je vais attendre que Jody revienne là pour ouvrir les cadeaux. Je suis là. Le staff est bourré. Oui. Le staff est bourré. Et pas que le staff. Le pire c'est que dans la vraie vie j'ai vraiment une vraie bière à côté de moi. Et pas que le staff, le Fred est bourré. Pas de la même manière, mais bon. Ah, bourré par Dani, ça je veux bien. Viens, on va dans une pièce privée. Non, ça va être après les mini-jeux, ça sera après, ça sera tout à la fin, vous pourrez faire ce que vous voulez. On va regarder les cadeaux. Bah allez tout le monde, montez en haut puis je vais ouvrir vos cadeaux. Hein. Oh, voilà, moi je suis bien installé. Ouais, installez-vous sur le sofa, ouais. Oh, je suis en quelqu'un. Évitez d'être en quelqu'un, merci. Oh, coucou Alta. Je regarde avec toi, mon bébé là. Ah, c'est Carmen qui te suit. Bah non. Bah
Ah oui, 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 bonne idée, c'est vrai, j'ai oublié. Floodux, assois-toi pas sur quelqu'un, s'il te plaît. Floodux, on veut bien que tu sois un enfant, mais il ne faut pas s'asseoir sur le zizi. Bon, je vais commencer. Je vais commencer par le cadeau de Kitsu. Donc, il m'a offert des sucreries et du spaghetti. Très bien. T'as reçu un morceau d'émeraude aussi. Oui. Et de la musique. Attends, il est en train de m'envoyer encore plus de spaghettis, mais c'est quoi ce délire? Il est en train de revomir son spaghetti. Oh, Jody, c'est exhibitionniste. Oh, Jody, attention, elle est toute nue. Elle est toute nue, frappez-la, frappez-la. Non, allez, je supprime. Allez. Voilà. C'est parce qu'on était bourrés, c'est parce qu'on était bourrés. Ouais, voilà, c'était un mirage. Merci Kitsu. Ok, prochain cadeau. C'est pour moi de la part de Darky Sunshine. Le petit Darky. Il m'a offert de l'ambre, du Golden Oak Sapling, des bottes et un casque en zanith et des fléchettes. Une sarbacane avec des fléchettes. C'est très gentil. Prochain cadeau, c'est de Fred. Il m'a offert des beaux habits pour les Inuits. Oh, c'est beau, il a pensé à mon pays où il fait si froid. Ouais, tu veux, est-ce que tu veux le prendre pour le lire? Vas-y. Pour braver la neige et le froid du Québec. Bonne fête, Nahors. Merci, Fred. Ok, il y a ce coffre ici. Cadeau de Danny Pingui. Oula. C'est le mien. Alors, 2 pommes d'or. J'ai eu des gingerbread. Et les cadeaux, ils sont... Tu les poses et tu les exploses. D'accord. J'en ai 64 des cadeaux. Oula. Il a été super généreux. Oh. Y avait rien. Non, y en a qui explosent, c'est tellement pimp. Oh. Y en a qui donnent de l'XP aussi. Merde, t'as reçu l'XP. Oh, des gingerbread. Oh, elle se fait péter dès la soirée. Oh, j'ai beaucoup de trucs de Noël. Ouais, j'ai pas trouvé mieux comme cadeau. J'ai été chercher des vrais cadeaux. De l'XP. Oh! Elle va avoir une collection de pains d'épices. Ouais, c'est ça, pour Noël, je sais quoi offrir. Oh! Oh! Une petite... C'est quoi ce bruit chelou qu'on a ici? C'est pas moi, en tout cas. C'est les animaux sauvages de l'autre côté. Ah, j'avoue, ils sont trop mignons! Bon, je vais finir de d'ouvrir tes cadeaux plus tard, Dani, parce qu'il y en a tellement. Ouais, t'as un cadeau ici, je sais pas. Oui, le cadeau sur la table, il vient de qui? Léon Grumpy. Baggy. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et Dartigay. Dartigay. Des fusées d'artifice. Oh, des feux d'artifice, moi je dis, faut faire péter. Ben on fera. Non, mais pas tout de suite. Ben non, il fait jour, c'est totalement dénu. Ça. Ben la nuit. Ok, pour les gens qui avaient encore des cadeaux. Cadeaux de la. Kibou, choisis ton favori. Oui. On va pour qui, chérie? Il y a Baggy pour Bagheera. Moi, je trouve qu'il est mignon, le petit noir. Oui, Bagheera. On va pour Baggy. Tiens, prends le médaillon et fais le fameux clic droit des familles. Mais lui aussi, et le cheetah qui est beau. Il y a tellement de petits dans les animaux. Baggheera, c'est le plus beau. Ouais, on va prendre Baggy. Oh. Et tiens, il y a même un fouet pour le dresser. Oh. Oui, ah, le fouet de dissident. Ah oui, fouet de Noël. Fouette-moi grand. Je vais te redonner ton médaillon, quand même, voilà. Oh. Ça va, il a les deux. Merci, Kibou. Ah oui. Est-ce qu'il y a... C'est qui le prochain à me donner des cadeaux? Moi, j'ai un tout petit cadeau, mais c'est un truc qu'on savoir qu'on créa, mais c'est quelque chose que... Il n'y a que ceux qui étaient à la ma fête d'anniversaire qui ont pu avoir. Et donc, ah, voilà. Je sais c'est quoi. Tiens, voilà, c'est un téléphone. Un téléphone cellulaire. Oh, je suis à l'intérieur. Tu peux appeler quelqu'un avec ça? Oui, je pense.
Donc c'est pas utile, mais ce sera utile parce que je vais quand même essayer de commencer à trouver des quêtes pour l'utiliser. Bah apparemment, c'est parce qu'il y a une quête qui en a besoin. Bah, pas encore maintenant, mais je compte essayer d'en trouver et d'en mettre. Flodux en asticot, je pense. Je suis même à plume, je suis à manchot. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit me donner un cadeau ? Donnez des cadeaux. Oh, c'est tout, moi j'avais juste ça. Je pense que c'était le cadeau de Flodux, celui sur la table, oui, bébé. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Ah, ok, d'accord. Si tu nous cherches, on est tous en dessous en train de faire des choses. Ah oui, on va aller un petit peu danser, puis après on va tranquillement aller à Courbedouve. Par contre, avant d'aller à Courbedouve, si vous voulez déposer des choses dans un under chest ou de quoi, allez-y. C'est l'homme masqué, mais dis donc, tu viens. Et la kibo masquée, mais dis donc. J'ai deux citrouilles si vous voulez. Hein. Voilà. Tu viens plus dans les soirées, dis donc. Mais faut que c'est la famille qui est déjà sur le poteau. Ah non. Et oui, et ta chérie aussi qui est sur le poteau. Merde. Là, j'étais sur Jody, c'était autre chose. Tout sexe et formation. Ouh ouais. Tout sexe et formation. Tout sexe et formation. Tu veux voir mon beau être? Oh, touch my tralala. Sérieux, là? Tu te l'as dit? La 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 la. Je l'ai dit que ça te donnait la fièvre du samedi soir. Tu es assis sur quoi, Jody? En flottus. Oh mon dieu, je veux pas savoir. Oh. Elle est assise sur un tabouret magique. Merde, attends, ça fait demander en mariage, je pensais pas. Oh. Allez, on va s'asseoir sur le canapé au calme. Il me fait tourner la tête. Vas-y, Kibo, fouette-les, allez, fouette Flodix. Zizi copter. Non. Peggy 18. Allez. Bon, bah, je vais peut-être me le mettre autre part. Hein, Moi, je dis contre l'invitation. Allez, voilà. Assieds-toi maintenant. Oh la carotte. Oh merde, non. Oh la carotte. Non, pas pour moi les carottes. Oh, elle est rentrée dedans. Oh mon dieu, mon habit d'esquimo. T'es toute mimi. Regarde, chérie. Oh, t'es toute cute. Vas-y, lève-toi, pingouin. Je crois qu'il veut mettre les carottes quelque part. Lève-toi, t'inquiète pas, retourne-toi et penche-toi. Et tous. Dédicace à Michael. Oh. Bon, si on regarde cet épisode, on se pose pas de questions. Tu mettras un mini 18 à l'avance. Ah oui. Juste pour vous dire, il y a sûrement des jeunes qui vont regarder ça quand même. Les jeunes, ne faites pas ça chez vous. C'est ça, ne faites pas ça chez vous, les jeunes sushis, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent. Même si elles sont dorées. Puis les grands poneys, ben allez-y, faites des commentaires à la con. Oh, Miss Pandy, le Miss Pandy, oh là là, Miss Pandy qui fait du pole dancing. Je me cache. Je suis presque mourue. C'est tellement tordu. Je crois que tu m'as balancé ton arc. Tu fais quoi dans le bar, Fred? Tu m'inquiètes. Merci. Je me cache, je suis presque mourue. Ah. J'ai commencé des peanuts. Oh merde, j'ai des flèches. Il y a Kitsu en mode pervers juste au-dessus, quoi. Où? Ah oui. Il y a Kitsu en mode pervers, il nous a perdu. Allez, on va aller le voir. En plus, c'est carrément la voix du papa. Il manque plus que la longue vue, l'appareil photo. La longue vue, je l'ai pas. Alors, j'ai quelques mini-jeux à vous proposer à Courbedouve. Par contre, je vous propose de déposer vos affaires dans un under chest au passage. Ça veut dire. Donc, il y en a un tout près de l'entrée d'ici. Ouais, il y en a un juste ici dans le truc pour aller vers Skyworld. Je vais passer par chez moi, je vais déposer mes trucs chez moi parce que j'ai quand même pas mal de... Je vous retrouve donc devant le TP de Courbedouve. Ouais. Hein? L'argent. L'argent. Des abonnés. Attendez, moi je vais juste parce que j'ai pas mal d'XP, donc je suppose que c'est un truc où on pourrait mourir, je pense. Ouais. Oui. Des à coups de régal mourir. J'ai pratiquement plus d'XP. Ah, toi aussi, t'as de l'XP ? Je vais passer aussi par chez moi pour déposer des trucs. Ouais.
Moi, j'aimerais juste mettre mon XP dans des livres et tout ça pour pas perdre. Bébé. Ouais. Ah, tu peux mettre ton XP dans des livres. Pas dans les livres, mais voilà, tu enchantes tes livres. Ah, d'accord. Chaque il y a des modes où tu peux garder les XP. Il y a aucun respect. Ouais, il est dans mon backpack. Alors, je mettrai là-haut. Je sais pas. T'as mangé à Courbedouf, je suppose. Ah, c'est t'as vrai. Mangé à Courbedouf. Sinon, vous prenez un peu de spaghettis. Spaghettis. Sinon, ouais, moi j'ai pris des spaghettis. Fred. Moi j'ai des cerises. La scène de la Belle et du Clochard. Oh mon dieu. Bah au pire je vous mets un under chest si vous avez pris de la bouffe et vous l'avez mis dans l'under chest. Bon, je vais vite attendre de chercher quelque chose. Moi je peux pas trop dire où est-ce que je l'ai mis la bouffe. C'est pas catholique. C'est pas catholique. Yeah. T'entends pas de musique? Non mais je veux pas demander en mariage. C'est bon, je suis sur le fait. T'as perdu. Pourquoi elle a perdu? Mais non, il reste une chaise, mon amour. C'est très déstabilisant. Il reste une chaise. Il y a une chaise. Alors, soit il y en a une de trop, mais. Ah, ok. Non, mais c'est normal, elle en a rajouté une pour Trou Soja. Ah, si, il y a de la musique. Ah. Oh, Fledux, bouge-toi! Mais non, c'est Fledux qui joue de la guitare en fait. Oh, il y a de la musique, hein! Soja, faut qu'il bouge! Soja, bouge! Bouge, Soja, c'est une chaise musicale! Oh! Oui! T'en as enlevé une chaise? Il est parti chercher oui. Sa chaise! Oui! Vous avez vraiment cette chaise pour tout le monde? Ah, ah. Cette musique! Allez! J'avoue, putain, je pense que la musique a arrêté! Oui, elle a arrêté la musique! non, c'est vrai qu'avec cette musique là. Mais c'est quoi cette musique? Ok, j'en arrête. Tu peux pas comprendre, c'est trop profond. Ouais! Justement en train de flâner. Oh, coucou Kata! Oh, ce mal! Et encore une chaise de libre! Il reste une chaise là. Va prendre la hache, pisse! Sois courageuse, va prendre la hache! Tiens. Missy! Arrêtez de débattre. Oui, trop de violence. Ok. Et... Alright. Là, du coup, faut en retirer une. Oui. Ah ouais. Ah oui. Oui. Mais au moment où. Dani s'est levé. Ok, c'est bon. On y va. C'est parti. Musique. Ah, ça là, elle est mieux. Flodux, lève-toi. Fred, lève-toi. On triche pas. J'étais en train de manger. On n'a pas le droit de manger pendant les chaises musicales. Non. Oui, mais c'est... Si, parce moi, qu'après... Moi, je suis le petit cul de Kata, voilà, c'est fait. Tu nous dis quand tu la rates, hein, Miss. Arrêtez. Non. Non. Moi, je Dani, t'es éliminée. Oh. Oui. Bah, je vais faire la bite. La bite. Je vais faire la bite, Dani, ça va aller. Ok, on va tirer notre chaise. Voilà, d'ici je vous vois. Okay, vas-y. Ok. Faites de moi des spaghettis. Dommage que j'ai pas un arc. Vous êtes prêts? Ouais. On va commencer. Toi, arrêtez de me toucher. Ah merde, j'ai ramassé une chaise à terre, c'est normal. Ah ben écoute, si j'ai pas la mienne, voilà, je la pousse à terre. Oh, c'est touché. La mauvaise. C'est le cas, je gagne comme ça, voilà. Elle était. Ah, ah, Fred, ah. Tu t'es mis. Ah. Voilà. Oh là 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 là. C'est pas ça. C'est moi qui dis elle a posé sa chaise. Non. Est-ce qu'il a gueulé de moi? Dis elle a posé sa chaise. Hélène. Tu dis elle a posé sa chaise, oui. Excusez-moi, je suis l'arbitre, je sonne les trois coups, je dis a posé sa chaise. J'ai envie d'éliminer. C'est tout oh, le monde l'a dit. Hein. Tout le monde on l'a eu. Bouh. Non, j'avoue. En fait, quand... j'avoue, quand la chaise est tombée, en fait, entre toi, je l'ai ramassée. Puis je me dis, allez, moi, j'annonce, tu dois aller te baigner avec le poulpe toute nue. Allez, d'accord, allez, voilà. Il est où le poulpe? Là au-dessus? Non, il est là-bas. Nico et... Non, je. Moi. Allez, bébé, lève-toi. Ouais. Il est dans l'eau, vers le pont. Sous le pont? Vers le pont gauche, voilà. Ah, voilà. Il est là-bas, le poulpe, toute nue. Allez, allez, on y va. Okay. Et c'est reparti. On se lave, tout le monde. Ok, ben. Bisous, Alta. Bisous, Alta.
Maman, tu vas devoir enlever une chaise. Oh là là, mais je tourne tellement vite. Oh. J'avoue, moi aussi, je vais faire des screens. Et c'est fini. Non. Je veux pas avoir un gosse, putain. Ah oh, bah non, vas-y. C'est Kibou. Moi avec le Kibou, va dans la piscine faire des choses avec le poulpe. Il y a 9 tentacules. Ceux qui ont perdu avec le poulpe. Allez, quelqu'un peut me donner des spaghettis. Two girls, one poulpe. Allez. Kitsu, t'as récupéré les chaises. Kitou, faut que tu redonnes la chaise à Miss Pandy. Bonjour, on m'entendait ? Ah non, c'est moi qui l'ai la chaise. Okay. Ah bah voilà. Je la mets dans le barrel. Aïe. Oh, tu t'es fait. Ok, vous êtes prêts, les amis ? Oui. Où est l'infirmière Joël ? Oh, même Maisy. Musique. Où est l'infirmière Red ? Oh oui, ça va être bien dur. Ah non, c'est vrai, fait du jeu. Oui ? Et c'est... Non. Oui, ça dégage. Derrière. Comment ils sont? Vous êtes tous les deux sur une chaise. Derrière, vous êtes deux. Comment ça? Non. Non, il y a que moi. Ah si. Non, vous êtes deux. Non, il y a que moi. Moi, je veux... Kitsu et Knut. Et bah, c'est celui qui gagne. Comment on fait? Enfin, c'est celui qui perd. Frappez-vous. Le premier qui... C'est bon. Bravo, Bidon. Faut que tu supprimes la morph, hein. Voilà. Ah mais c'est vrai, j'étais. C'est comme ça que ça se passe, on est ici en démocratie. Parce que j'avais une grosse épée dans mon maillot de bain. Bon, enlève une chaise, Miss. Voilà. Moi, mais moi aussi j'ai perdu. Par contre, faut que tu supprimes le morph. C'est bizarre. Ah oui. Ouais, faut supprimer les morphs de ce contenu. Oui, parce que sinon c'est très mauvais pour. Sauf s'ils sont en animaux. Bon, je dis, il y a encore Leonardo qui est en train de regarder les loups de. Je vais faire ça de suite. En bas comme d'hab. C'est comme ça. Allez! On va dessus, on fait ça. L'attaque d'autre est finie. Ah, ok. Exactement. Tu as gagné un bon point. Voilà, c'est supprimé. Reparti! Oh, c'est marqué TTP. C'est reparti, les amis! Comme il se tape, il y a quelqu'un qui tape Fred là, genre. Oh là, ça va être compliqué là. C'est moi qui ai commencé en fait, j'ai tapé Flaudé. Fini! Flaudix! Flaudix, il a perdu. Comment on est des grosses balances quand même à balancer Flaudux, c'est pute. Allez, avec nous, Flaudux. Ouais. Hop. C'est qui me tire à l'arc, là? Ah, je peux pas savoir qui c'est qui te tire. Purée, on est que 3. Waouh. Eh, c'est chaud, là. T'as 4, je suis là, moi. Ah, mais dis donc, Fred, tu résistes. Je dis. T'as vu ça? Est-ce que je pourrais te sauter un mouton? Vas-y. Parti. Vas-y, mec. Ah là là, ça va être hyper difficile, là. Attends, comment je te saute? Baisse la tête. Ouais, vas-y, à toi. Fini. Ah mince. Ah oui, c'est bon. Ah, vous êtes sur une chaise. Je pense que c'est Soja. Ah, rest in peace. Allez, final. Enfin, presque final. Ouais. Fred, ouais, quelqu'un peut... Je sais pas comment ça marche, mais... Normalement, faut les mettre dos à dos, les chaises. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ah oui, on tourne autour. Oh. Ah, GG. On m'a poussé, c'est pas juste. Allez Fred, je suis de ton côté. Allez, on lance les paris, c'est parti la française. Moi j'ai parié Kata. Ouais, c'est parti. Moi je dis Fred parce que c'est un par contre, moi j'ai parié 4 pièces parce que j'ai perdu sur mes stuff, du coup. Mais normalement je 4 pièces en pierre, moi sur moi là. Et moi je parie Fred. Moi une pièce de diamant sur Kata. Et c'est c'est Kata qui a perdu. Ah mais non, ils vive les gens qui ont parié sur Kata. Oh, qui veut mettre tes pieds sans pierre? Ils étaient assis avant la fin de la musique. J'ai bien fait de parier sur Fred. Non, en fait, c'était la fin de la vraie musique, mais c'est Flaudux qui jouait de la guitare. C'est beau. Ah, c'est pour ça. Flaudux. Bon bah désolé, hein, vous êtes tous... Bon bah je parie sur Knut alors. Lâche-moi, espèce de lapin. Moi, je attends, si moi je parie beaucoup sur Fred, ça sent un Kitsu. Et c'est Pity. Moi je suis beaucoup sur Fred. En. Oh. Oh. Wow. On tourne en plus dans un sens anti-horaire. Fini. Wouhou. Bravo Fred là. Et donc tout le lâche maintenant. Ouais. Oh, le... Oh,
Ah, j'ai des os de Fred. T'as des os de Fred. Émilie, je suis revenue pour te faire un bisou. Bon, prochaine épreuve des accoudes, les laines sont dans le barrel ici, donc vous choisissez une couleur de laine. Alors, je veux bien la Lovely Robot. Vas-y, saute. Tourbillon de Lovely Robot. Prochain. Je t'avoue que c'est pas une bonne idée. Bah, on s'en fiche. Bon, bah, vas-y, Fred, après, c'est moi. Plouf. En même temps, Fred est une jolie demoiselle. Ouais, allez. Fred est une jolie demoiselle. Mais non, je suis en moi. Non, c'était là plutôt. À toi, Jody. Voilà. Toc. Ouais. C'est à moi. Alors, hop, il faut que je vous retrouve encore. On va te TP, Bidou. Non, mais je suis là pour Bidou, donc je suis pas de travail. Ah bah, t'es à côté de la maison, Courbidou, c'est les voisins. Il y avait un lit par là. Hello. C'est dans ce coffre-là qu'il y a deux fois. Il y a une carte, tu vois, qui n'a pas joué, qui bouge. Ah, ok, super. Genre, ouais. T'as pas sauté, hein? Non, j'ai pas sauté, qui bouge. Moi non plus, on n'a pas sauté. Qui n'a pas sauté encore? Ah bah, venez sauter. Moi, je suis après Fred. Ah purée, il y a le temps. Si, ça... Moi je sais pas où le laine, donc je vais m'asseoir là et je vais regarder. Laissez-moi et Miss y aller, ok? Il te manque des trucs, Bidou? Bah j'ai pas mes laines. Après je sais pas ce que j'avais d'autre. Ah. Pas grave. Ouais, vas-y maman. Moi j'ai rien, moi j'ai que de la bouffe. J'ai aucun stuff sur moi. Je crois que c'est Akata normalement maintenant. Après Fred, c'est moi. Ah bah moi non, je suis après Jet. Fred, qu'est-ce que tu fous là? Bah moi. Ah oui, la Lovely Robot d'abord. Je cherchais un lit au cas où je meurs. Bah non, je t'ai TP. La Lovely Robot. Oui, la Lovely Robot. En maillot de bain, elle s'est mise en tenue. Et puis ouais. C'est homologué. Oui. Homo, je sais. C'est qui en prochain? Ah, elle est là, l'orange. C'est qui le prochain? C'est à moi. Ok, c'est Non, c'est la Lovely avant. Ah, non, mais elle est déjà passée. Ah bah alors Fred. Regarde-moi. Ah, bah, je vais garder ça. Après c'est moi. Plouf. Après c'est Kata, après c'est moi. Et moi. Là c'est chaud, je crois que je vais mourir. Non, après Kata c'est moi normalement. Oh là là, je vais mourir. Oui, après Jody c'est Dani. Oh, je suis pas morte. Et moi c'est quand? Bah je sais pas, Bidou. C'est à toi de savoir. C'est à moi de savoir, j'ai pas sauté, vous avez commencé sans moi. Ok, bah Knut il doit sauter deux fois. Bah vas-y, saute en premier. Bah saute de fois d'affilée si t'as pas encore sauté. Ouais. Ok, soyons fous. Fais-moi la pression. Kitsu, il saute du mauvais côté. Qui m'a tapé? C'est pas moi. C'est qui m'a tapé? Dani, attends que nous, tu dois sauter deux fois. Ouais. Ah, bah il ressaute après moi, comme ça au moins ça fait deux fois chacun. Et alors, c'est qui le reste? C'est Trou Soja. Bah Knut saute une deuxième fois, oui. Et ouais. Le noir, donc c'est-à-dire le Kitsu, ça va être à toi après. Je te dis, t'as déjà sauté? Ouais, je regarde les deux. Hop. Oui, j'ai fait. YOLO. Wouhou. Allez, Knut. Ah bah non. Et voilà. Kitsu, vas-y, saute. Le noir. Or, si t'as pas mis ton cube. Non, mais je suis pas tombée, en fait, c'est quelqu'un qui m'a ajouté à l'arc. Ah, et donc, normalement, c'est à Miss de sauter, parce que le violet... Il y a les cubes orange de Bidou, là, par terre. Vas-y, Miss. Ouais. Après, c'est moi, c'est ça? Bah, je crois que j'avais rangé le reste dans le coffre, donc c'est bon. Ah là, et donc normalement, c'est autour de moi la Lovely. Tu me trompes pas, non? Ah non, c'est vrai, le bleu. Mais j'ai pas de place, moi. Je vais venir vous rejoindre à pied, voilà. Donc c'est autour de... Moi, je pense que c'est autour de la Lovely, je crois. Ok, alors... La Lovely, Kata, c'est bientôt Dani. Non, la Lovely, Fred. Ah oui, bah c'est à Fred, alors. T'as souhaité... Fredounou, vous êtes... Miss, faudrait peut-être que tu manges, ouais. Oh. Oh, dommage. Flûte. J'espère que je vais pas mourir. Zut. Émilie, je suis revenue te faire un bisou. C'est que ça devient... Oh, dommage. À moi. En plus, elle me dit que je suis si mignon. GG, Jody. Attention, c'est à mon tour. Je vais me TP. Je vais me fail comme une merde. Ouais. Moi, je me balade. Un pingouin est mort. Un pingouin est décédé, je répète, un pingouin est décédé. Sniff. Allez, Miss Pandy. T'as qui? Allô, Madame Bardot.
Ils ont tué le pingouin, Madame Bardot. Oui. À toi, Orf. Hop. Après, c'est moi. Il est tombé. Et après, c'est le kit sous sauvage. Allez, à toi, Papyrus. Vas-y. I'm the great Papyrus. Pizza. Et du coup, c'est autour de... moi ou de Jody? C'est à moi, c'est à moi. D'accord. Moi, je passe après Kata. Kata est morte. Avant, Kata, c'était Fred. Ah, j'ai récupéré du stuff. Les gens, je vais dégager. Oui, ben, il y a un coffre. Mets tout le stuff dans un coffre. Bah, alors, c'est à moi, allez, je pense, non. Oui. Oui, c'est à toi parce que je viens de passer. Je suis malatteste death. Moi, j'avais juste de la bouffe. Trucs. Si vous pouviez me laisser ma bœuf. Pour ne pas que je meurs de faim. Oh, arrête. Là, je pense, c'est à moi. Allez, je vous mate d'en bas. Ah oui, j'ai failli tomber. Vu du dessous, c'est tellement mieux quand vous avez des jus. C'est à toi, maman. Oui, c'est à moi. Ok. Ben moi, j'arrive, c'est mon tour après. Ouais, vas-y, alors, viens. Ah, merde. Ah, dommage. C'est mon tour. Rest in peace. Ah, merde. Allez, alors. Je vais le tomber dans le lit. Ça doit rester en bas. Non, mais... viens. Mon lit est encore obstrué. Qui a pris ma bouffe? Elle est dans le coffre, Fred. Voilà, et donc c'est un anobli qui va dire... On n'a aucune idée, je me contente de viser dans le trou. Turbilol. Non, 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 si, ouf. Ah, voilà, Marquis, bien joué. C'était mes bridés de propre... À moi. Parchop. Et ben voilà, comment hein. Ça Yola. Oh, dommage, Jody. Oh, elle avait la carotte, elle avait la carotte. C'est qui après Jody? Toi. Hein moi, il doit plus rester. Normalement, c'est place. Toi, Ors, oui. Et puis ensuite, c'est Kitsu, et puis c'est moi. Donc, c'est juste moi et Kitsu, là. Non, et moi aussi, la Lovely. Ok. On va. Virer la test death. Oh, rest in peace. Oh, dommage, Kitsu. Kitsu, on non, j'ai vraiment visé, c'est pas fait exprès. On compte comme une mort ou pas pour Kitsu? Ah, bah, s'il en a pas fait exprès, non, c'est pas une mort. Bah oui, bah alors... Ben j'ai remis ta laine dans le barrel, Kitsu. Quelqu'un peut me taper? Ouais, je vais te taper. Tu veux qu'on te tape? Y'a pas de soucis. Y'a que moi qui peux taper, donc... C'est ton tour, Kibou? Non, c'est d'abord Kitsu, et puis c'est mon tour. Ah oui, ok. C'est parce qu'il a dit taper, donc moi voilà, quoi, je vais le taper. Attraper. Attraper. Après, taper. On peut tout organiser pour toi. Oh non. Oh, on s'est frappé en même temps. Allez, à toi, Kitsu. Saute. Fais ton saut de l'ange. Grand papyrus que tu es. Grand papyrus. Grand papyrus. Donc nous qui regarde en dessous. Ouh, bien joué. Allez, attention. Tion. Plouf. Oh, ouais. Youp. Il reste qui en jeu, en fait? Moi. Ouf. Wow. Ouh, GG. Ors aussi, ouais. Ouais. Je me rebois une bière. Ah ouais, tiens, Flodux, il est où? Il s'est barré. Il s'est barré. Il est toujours sur TS. Ouais, je suis en train de discuter sur Skype. Ah ok, d'accord, c'est correct. Ouh, bien joué, Kitsu. Ah, j'ai fait un carré. Ah oui, donc c'est à nouveau à moi, c'est ça? Bien joué. Ouais. Oui. Vous n'êtes plus tellement mauvais. Ouh, plouf. Ouh là là, je t'avais vu seul côté, moi. Ouais. Bien joué. Allez, Ors, c'est à toi. Il y a quelqu'un qui se morfe pour s'envoler, c'est pas bête comme idée. J'arrive. Ouais. La stratégie du fou. C'est un suicide. Oh. Adios. Appelez la police. On voit mieux d'en haut, c'est mieux. Yeah. Non. Pas qui tout, c'est entre les modos là. Oh, ça fait mal. Ah ouais, y a plus que les modos de jeudi. Allez. Hop. C'était mon idée. Bien joué. Et jeudi, tu vois que tu choisis la qualité. Tu vois que tu choisis la qualité, je dis. Attention, tu es beaucoup plus normal. Oui. Ça va, oui. Bravo, il y a le truc qui tournait, je l'ai dit, qui l'a ramassé. C'est... non, c'est toi. Non, je l'ai pas. Bah c'est pas grave, c'est une pièce de l'Aider, ça existe plus, l'Aider. En fait, c'est qui en fait, plutôt? Kai. Je vais quand même laisser le dernier saut. Je viens de s'écraser durement. Mon dernier saut quand même, je vais le tenter. Je vais le tenter. Là. Allez. YOLO. Ouais, bien joué. Belle victoire de... Quelqu'un peut me dire ça? GG tout le monde. La victoire de la musique sur France 2. Merci.
Est-ce qu'on fait la pig race? Oui, je pense qu'on va faire la piggy race. Ouais. La quoi? Une course de cochons. Par contre, la course de cochons, c'est limite 6 personnes. Donc on fera plusieurs groupes. Bah moi je vais, excusez-moi, mais moi je vais retourner sur Sushi World pour terminer le travail. Ok, d'accord, au revoir. Y a pas de souci, bah bisous, bisous, bonne soirée. Bisous, Kichou. Bisous. Tu veux participer? Bien sûr, moi je veux participer. Bah t'es quoi, ma place, et moi je vais... Ah oui, je vais... Et c'est une course de cochons. Moi j'adore les cochons. Ah bah nous on est obligé de participer, Fred, on est des vrais cochons. Bon bah moi je vais sur les channels. Je vais prendre un peu volant pour observer la scène. Ok, merci Kichou. Alors, le parcours. Je vais vous montrer le parcours. Le parcours. Avec l'effet du micro et tout, ça peut bien donner. Ah, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Le parcours, en fait, c'est vous allez autour, vous suivez un petit peu les poteaux avec les laines blanches. Ouais. Vous traversez le pont. Vous passez devant l'écurie. Oui. Voilà. Suivre, là. Après, vous tournez, vous retournez sur le pont. Oui. D'accord, c'est un circuit. Je flappy flap parce que j'ai plus de boue. Je vois le circuit. Et où est la ligne d'arrivée? C'est là où il y a la glowstone alors. Et oui, et la ligne d'arrivée c'est ici, donc vous allez partir de là. Ah oui, et là, d'accord. Oh, ça a l'air génial. Par alors, contre, tu te mets d'un côté, moi je me mets de l'autre. Moi je fais Philippe Candeloro le pervers et toi tu donc, fais Nelson Mantin. Qui peut participer pour savoir si je peux participer aussi. Mais tout à fait, it's alright. Mais oui, vous pouvez tous participer. Exactement, mon ami. Est-ce que vous êtes ready for the curse? Ok. Donc c'est. Oui. Bah écoute, moi je suis plus que ready, moi je suis raide. Ah oui, Candeloro, c'est un pervers. Hein. Oui, 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 Candeloro. C'est... Bah, il y a une bonne question. J'ai plein de poissons. C'est une canne à pêche carotte par personne. Ouais. Vous voulez t'as du compris, poisson cuit, hein. C'est une carotte par personne. Une carotte par personne. Voilà. La carotte. Oui. Ah, ah mais j'ai pas moi, j'en voulais plusieurs. Voilà, je suis assise. Ah mince, j'ai rien d'autre, je suis désolée. Moi, ouais, c'est pas grave, moi, je... Ouais, t'as un doux. Par contre, tu me dis quand je lance le départ dès que vous êtes sur la ligne. Donc, vous essayez de vous mettre devant la ligne d'arrivée. Et comment on fait pour les... Bah, en fin de compte, faut arrêter de lui montrer la canne à pêche, comme ça au moins il bouge plus. Ah merde, ouais. Bonjour. Faut plus que t'aies la canne à pêche dans tes... Faut que t'en... tu désélectionnes la canne à pêche. Ouais, désélectionne la canne à pêche. T'arrives pas à le contrôler. Mais moi, elle est désélectionnée, la canne à pêche, mais il va partout. Il est dissident. Ouais. La dissidence. Hop, voilà. Alors tu me dis dès que je peux faire le démarrage. Allez. Il y a un cochon, bébé. Il y a un cochon qui pousse mon cochon. Ah ouais, mais moi il est bien, je crois. Il pousse tout seul. Hey, Miss Pandy, elle se barre avant tout le monde. Elle a fait des autres vidéos. Je n'ai pas pris sur cet animal. Alors actuellement, vous voyez les préparatifs et maintenant, nous allons nous retrouver sur France 2 pour la nouvelle course olympique de cochons. Oui. Bon, on y va quand là, parce que les cochons, ils sont dessus. Allez, vite. Quelqu'un peut casser le... Ready. Non. Bon, on y va, bon, on y va. On est parti sur France 2. Nous démarrons maintenant la course de cochons. Tout le monde sur la ligne de départ. Nous allons bientôt commencer la course. Ouais, bah, c'est dur de cochons se mettre sur la ligne. Sur la ligne. Allez, bon, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Oui. C'est parti, okay. Allez, go. Bon, c'est parti. Nous avons nous avons des... Oh, une belle aventure. Elle a dopé son cochon, Miss Pandy. Je ne sais pas si c'est en tête, mais je crois que c'est taché cochon, c'est un cochon totalement dopé. Mon cochon, c'est un cochon qui passe le pont. Mon cochon qui est tombé dans l'eau, qui s'est perdu dans la rivière magique des infinis et de l'amour. Allez, cours, cochon stupide. Ah, Spanda qui vient de rentrer. On a mis Spandy qui continue avec son cochon sur Sonic. Quoi, vos cochons sont 4 fois plus rapides que le mien. Bon bah mon cochon, il est catastrophe, il est tombé de cochon. Quand tu cliques sur le truc pour... Et donc on a mis Spandy qui arrive à la ligne d'arrivée, qui finit son premier tour. Ah ouais. Moi je reviens à son côté. Combien de tours, c'est quoi de tours? Il y a combien de tours? Désolé pour le cochon. Il y en avait juste un. Mon cochon lui peut plus rien. Oui, il faut fouetter son cochon j'ai en fait. Passé, il faut fouetter son cochon comment? Je suis quantième.
Il faut fouetter son cochon pour qu'il aille plus vite, non? Ah oui, troisième. Clique droit sur le cochon, il s'affole. Mais oui, c'est toi qui s'énerve quand on le fouette. Ouais, tu cliques droit avec la canne à pêche sur le cochon. Et c'est exactement comme avec Fred Lorlaise, on le fouette et il s'accélère. Ah bah oui, mais c'est de la technologie de... Oh, je viens de récupérer un steak de porc là. Je tiens à dire que il y a eu. Enfin, si, alors il y a probablement, vu que t'as un steak de porc, probablement eu un. Merde, j'ai plus de canapé, j'ai plus de carottes. Je propose qu'on mange le cochon gagnant. Ma canne à pêche, elle est usée. Ouais, ça les use. Ouais. Pendant que tu fais des cochons avec moi sur le jeu, dites bonjour à Titi. Oh non, merde, je suis coincé. Bonjour à Titi. Mais Fred, qu'est-ce que tu fais dans le... Coucou. Coucou Titi. Mais Fred, il aime aller dans les spas avec les cochons. Oh, j'ai enfin essayé avec mon cochon. Mon cochon veut plus bouger, j'essaie de le ramener. Mais décidons, j'arrive pas à le ramener dans l'enclos, au secours. Voilà. Attendez, je vais aller chercher des outils pour... J'ai perdu la carotte de ma canne, en fait. Je crois que j'ai encore une carotte. La carotte. Oh. Mais j'ai une carotte, une golden carotte. Ah, oh mon dieu, j'ai cru qu'il y a autre chose. J'ai une très grosse carotte. La golden shower. D'ailleurs, Kata. Bon, mon cochon s'est enfoui, je suis désolé. Attends, il manque un cochon, il est là-bas. Ah oui. Hop. J'ai plus de canne à pêche, donc je... Mais j'ai des cannes à pêche, moi, qu'il faut que j'use. Je vais rendre la canne vite. Quelqu'un peut m'ouvrir l'enclos? Il faut une hache, ouais. Ouais, j'ai donné la hache. Pas de hache. Distruit. Bah comment ça se fait que je me retrouve encore avec une canne à pêche carotte? Je l'avais posée. Ah tiens, par contre, ouais, je veux. Ou une carotte. Je vais reposer ça là. Bébé, tente. Bon, je vous laisse. Bonne soirée, désolé. Bonne soirée. Allez, tout le soja. Merci d'être passé. Oui, merci d'être passé. Encore bon anniversaire, bisous. Et puis bah à la prochaine. Bon anniversaire, Kata. Bisous. Ciao, ciao. Bon anniversaire. Bye. Bon, j'ai un dernier jeu, si ça intéresse certains. Ah, ouais, ah oui. Quoi? Je veux savoir. Par contre, c'est pas un jeu que je peux régénérer comme ça, donc il faut que je vérifie combien de couloirs j'ai. Couloirs. Ouais. C'est un jeu qui se passe dans les tunnels du méandre de l'amour. Oh, ouais. Un jeu de couloir. Donc, un jeu de coups et de loire. Parce qu'il y a beaucoup de un petit coup dans la foire. Piti, il y a beaucoup de ton côté, je te préviens. Et hors. Oui, 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 c'est sûr que c'est. Donc, il y a un. Il y a six lignes. Le principe, c'est qu'en fait, vous avez tous une hache. Une pelle et une pioche en fer, donc vous en prenez chacun une de chaque. Okay. Ah ouais. Et on va donner, vous allez tous vous mettre devant une rangée, on va vous donner le top départ, et bien sûr le truc c'est d'y arriver plus vite. Donc vous savez par exemple, pour la pierre c'est la pioche, le bois c'est la hache, puis la terre c'est la pelle. Tu donnes des indices aux autres après. Miss, est-ce que tu viens? Est-ce que tu... Oui, non, mais est-ce que tu peux fly? Bah, pas fly, mais... Oui, pour Ricard. Comme ça. Et Kata, ouais. Ben, il y a pas assez de rangée. Moi, je suis prêt, j'attends. Mais je me mets là pour vous encourager. Et je fais la pomme girl. Non, mais... Avec des poissons cuits. Alors... 3... 2... 1... Partez! Go! Wow, Kibou est en tête, hein, je vais pas dire, mais... Ah bah, elle prend de l'avance de fou, hein. Kibou! Oh mon dieu, Kibou! Ah, je me suis gouré, moi, de... Boum! Bravo, Kibou. Ah! Allez, Dani! C'est qui le... Ouais, j'ai fini! Je suis deuxième, non? Non. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gecko dans la deuxième, non? Pourquoi c'est moi le dernier? C'était... Mais parce que je t'ai vu casser à la hache les blocs de terre. c'était qui? Alors, le premier? C'était qui vous? C'était moi le deuxième, c'est moi la deuxième. Bravo. Oh là là, tu nous caches des choses. Donc maintenant, je propose qu'on s'assie tous autour d'un petit feu de camp. Ah ouais. Ouais. Par contre, oui, le feu de camp, je l'ai pas. Ah, attends, on va reposer avec des marshmallows. Ah oui, je veux bien chanter, moi.
Ah. C'est bon les marshmallows. Oh, si ah, on... Ici c'est sympa. Ah oui, mais t'avais pas des petits feux d'artifice Oui, je vais aller les chercher. Non, la nuit se lève. En fait, le jour se lève. Ah oh, merde, le jour se lève. La nuit. Moi, je dis en direction du coucher de soleil qui est là-bas. Sous le soleil. Raconte-moi tes merveilles. Oh mon Dieu, les si deux, tu là. Savais. C'est toi, ma mère. Mais c'est ce qu'elle a fait. La nuit, elle tombe. Elle l'a mis. Où tu voudras, quand tu voudras. Je fais un screen, hein. Et on s'aimera. On dirait que Fred fait des bisous. Quand l'amour sera mort. Il n'y a plus de respect. Du coup, on se pose où pour la teuf? Bah ici, ça me paraît pas mal. Oui. Ici, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dissident comme ça, mon petit Denis. Oh oui, ça fait du bien. Ah, je me suis fait dessus. Moi aussi. Je vais attendre que la nuit soit complètement tombée. Oui. Un plan Euro. Y'a pas un truc. Non, c'est pas faux, pas faux, pas faux. Voilà. Oh oui, c'est sympa. Eh mais Flodux devrait se ramener avec sa guitare. Attendez, y'a quelqu'un aurait un stick histoire d'avoir un petit bâton pour faire style. J'ai pas de stick. Non, mais j'ai pas ça. Non, mais c'est rare. Oui. Moi j'ai une bière, ça suffit. Je voulais le stick. Moi j'ai toujours ma Golden Carrot. Moi j'ai du braided Park Shock. Quand je frappe avec le clic droit le feu de camp, on dirait que je me. Bon, bref. Non, mais ça ira. Moi j'ai ma bière et c'est bien. Mais c'est pas de stick. Excusez-moi. Ah, voilà des sticks. Ah oui, des sticks pour faire les marshmallows. Oh wow. Oui. Oh wow. Oh, c'est beau. Joyeux anniversaire. Oui. Bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Patates à la braise, c'est tellement bon. Oui, c'est bon, des patates au four. Moi, je suis végé, je les bouffe, les patates. Oh. Merci pour le poulet rôti, hein. Sans patates. Oui, des patates. Oh, il me reste un peu. Bon, il faut qu'on chante quoi, là? Moi, je dis chacun fait une imitation ou une connerie comme ça peut être rigolo. Très peu pour moi. Martine, Titi, le temps... Non, j'en ai pas. Je vais te porter, oh, j'ai un mango smoothie. Moi, j'ai pas faim, moi. Moi, je mange de la Rotten Flesh. Moi, j'ai pas faim. Moi, j'ai tout balancé, du coup, Y a un bac de côté manger. Arrête de tout prendre le manger, bidou. Mais j'ai faim, moi. Je sais pas, je pose un truc, il le mange. Je l'ai patate. Mais comment ça se fait que toi t'as toute cette nourriture, ma petite pounette? Quelqu'un a j'ai ramené le marteau du mode statue? Non, pas sur moi, il est dans mon. Ah oui, ça, par contre, je vais vite remettre des trucs. J'ai un hammer si vous voulez. J'aimerais bien avoir un petit marteau du mode statue. J'en ai un dans mon coffre. Devant qui? Devant Soja, trou Soja. Ah, nickel, attends, je suis là. Hop. Je reviens, hein. Le trou du soja, hein. Le trou du soja. Ah, je l'ai pas reçu. Ah si, je l'ai reçu, c'est bon. Le trou du soja. Juste je vais aller en chercher dans le coffre. Désolé, je suis désolé, je me cache. Oh. Tant. Il se pendit, il se réchauffe les pieds. Oh. Oui. Oh non, j'ai pas le bon morph. Vous voulez du spaghetti? Allez-y. Un spaghetti. Tu veux le morph de panda nazi? Non, de du panda assis, pas nazi, ça c'est vrai. Je sais pas, ça c'est original. Hein, c'est... Je suis un panda d'anniversaire, ma gueule. Aussi, moi, je suis un qu'est-ce qu'il fait, Dani? Oh. Voilà. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah oui. Et je suis là pour fêter l'anniversaire de Horse Panda. Oh. Oh. Wow. Jenny, t'as de la chance.
Y'a plus de respect. Laisse-moi faire des vidéos avec toi. Abonne-toi, je rends. Moi aussi, je rends, j'ai trop mangé. Oh, c'est sale, ça. Il est mort, les gars, pas de sommeil, parce que ça peut faire cracher le serveur. Et il est où, trop soja, que je lui rende son petit marteau? Là, je suis le serpent. Non, pas les serpents, évite les serpents. Non. Petit renard. Ah, là, c'est... Okay. Moi, je suis un beau kitty. Donne au renard. Le renard. Bon, c'est Isadore, hein. Beau tableau. Bon, ben, je pense que les gens ont bu quelque chose ou ont fumé la moquette. On a fumé le feu de camp. J'avoue, je vous ai donné de la viande putréfiée. Donc attention, il y a un zombie. Miss, mets-toi en toi parce que Kata est papillon. Oh, c'est vrai. Ouais. T'es où, ouais. Miss? Merci, renard. T'as rien. Je redeviens humain. Oh, j'ai un bouton. Un bouton? Ah oui. Bouton dans mon coffre, j'en ai 10 000. Hop. Oh, je suis un chat avec une coiffure à la Hitler. Oh, c'est merveilleux. Très bien. Ouais, un petit peu, ouais. Ah oui. C'est pas grave, Miss Pandy. Ah, c'est pas le panda nazi, mais c'est le chat nazi. Pardonne. Vous êtes où? Vous êtes plus à Courbedouf? Ici. Oui. Parce que je vous trouve pas. On est autour du feu de camp. Autour voilà, de la statue de l'Hélène. Ah, cool. Oh, Titi. Il a popé. Coucou, Titi. Est-ce que tu veux de la bière? Coucou, Titi. Je veux bien. Force. Hop. D'abord. Oui. Moi, je veux de la bière, voilà. Tiens, moi aussi, j'en veux bien. Bah, de la bière. Ah oui, c'est quoi ça? Il y a des trucs à la maison, je t'en précise. Oh mon dieu! C'est trop mignon ça. Oh, yeah. Hey, la chèvre. Qui c'est qui m'attaque? Qui c'est qui donne les bières ici? C'est moi qui donne les bières. Chèvre. Viens, donne-moi une bière, Dani. Oui, la creeper, je n'étais pas là. Merci, Titi! Donne-moi une bière! Bon, je suis où les gens ont rentré dans le gaz, il y a une flamme bleue au centre de lui. Donne-moi une bière. Oh, ça réchauffe. Les amis, en fait, le gars, c'est une grosse montgolfière, tu sais, il y a une flamme au pour qu'il donne une bière, Tommy. Merci, Knut, pour être la montgolfière. Oui, c'est distributeur drôle. De bière. Et hop. Moi, je veux bien une bière. Wow. C'est quoi ce truc bleu, les gars? C'est parce que j'ai utilisé une lightning sword.